sais même pas quoi dire. Attendez. Match aller était en France, il y a eu 2-1 pour la France, le match retour était en Suède, 2-1 pour la Suède. Mais le 2-1 qu'on vient d'avoir là ce soir, à 10 secondes, à 10 secondes de la fin, je vous aurais dit, mais enfin, je le pense toujours, mais je l'aurais dit plus naturellement, que je suis contre. Ouais, je reçois un message de mon cousin, la vidéo va être bien. Je suis en train de la faire. J'allais vous dire que j'étais contre tous les consultants de BFM TV, tout ça, qui disent que la France a mal joué, tout ça. Faut se rendre compte que le match était quand même un match important entre les deux équipes en tête du classement. Il y avait une pression monstrueuse. Les Suédois savaient que les Français allaient garder beaucoup la balle. Et donc, ils ont défendu. Les Français, ils ont dû essayer de se trouver des occasions. Sauf qu'il y avait tellement un rideau défensif qui était compact que c'était impossible pratiquement de trouver la faille. Et pourtant, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'occasions. Je me pose une question. Est-ce que là, pour le match test contre l'Angleterre, ce serait pas bien de remplacer Griezmann par Mbappé, Payet par Lemar, donc exactement ce qui s'est passé à la fin là, du match. Et Pogba par Kanté. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi perso, les matchs amicaux, c'est pour tester des trucs. Griezmann, Payet et Pogba, c'était le néant ce soir. Après, j'ai pas envie de les accabler non plus, parce que voilà, je le répète, la Suède a super bien défendu. Pour parler du but de Giroud, Giroud, il nous a mis mais un but mais magnifique, monstrueux. Ensuite, la Suède a réagi. Ok, très bien. Moi, j'étais partant pour qu'on en reste là. Et j'allais vous dire, bah, le match, écoutez, bon, je suis plutôt satisfait en vue de ce qu'on a donné et de ce que les Suédois ont donné. Mais là, à la fin du match. J'ai pas envie de le dire, mais je le dirai quand même. Ça fait plusieurs fois que Lloris m'a un petit peu déçu ces temps-ci. Mais alors là. Non. Ça remet tout en jeu. Les Pays-Bas sont repassés troisième. La Suède est égalité avec nous. En plus, là, on part sur justement un état d'esprit qui est glauque, mais complètement glauque. Et il va falloir pouvoir ressortir la tête de l'eau, mais un bon bol d'air frais. Il faudrait qu'on gagne l'Angleterre. Si on perd l'Angleterre, ça va être horrible. Mais en tout cas, je pense que Deschamps devra essayer des changements. Même Matuidi, qu'il le sorte. Qui c'est qui pourrait sortir aussi? Je sais pas qui est-ce qu'il pourrait mettre à la place de Matuidi, mais qu'il sorte un peu les grosses têtes. Vraiment, faut qu'il teste un truc. Parce que là, j'ai l'impression que. Vous voyez, même Griezmann, là, c'est plus pareil. C'est Giroud, il m'impressionne de plus en plus, franchement. Même si, ok, ça peut être considéré comme des buts faciles, tout ça. Ce soir, il n'a pas mis des buts faciles. Un but facile, il se place bien, il est bien desservi. Mendy, très bon. Koscielny, Varane, toujours parfait, j'aime bien. Mais là, on méritait pas ça ce soir, mais. Non! Mais à la dernière seconde, j'avais déjà pris mon portable et pratiquement commencé la vidéo. Putain, déjà que j'étais stressé. J'étais déstressé quand il y a eu le but. J'étais restressé avec cet ascenseur émotif, avec le but de la Suède. Mais alors là, ça m'a achevé. J'étais stressé tout le match. De toute façon, je suis toujours stressé pendant les matchs, même pendant les matchs amicaux, même contre le Paraguay, on gagnait 5-0, j'étais stressé. Mais je vous jure, mais je suis en stress, mais je suis devant mon écran et je suis prêt à exploser à n'importe quel moment s'il y a un but ou il y a. Pourtant, je suis toujours très calme. Vous me verrez, vous ne me reconnaîtriez pas. Enfin, je sais pas, mais je veux dire, je suis stoïque, je suis à fond dans le match. Mais alors là, ça m'a achevé, putain.
Je rigole, mais c'est nerveux, franchement. Putain. Bon, j'arrête là parce que la vidéo va être trop longue. Je vais mettre des heures à la mettre en ligne. Là, je pense qu'elle arrivera quoi? À 1 heure du mat? Ouais, peut-être 2. Bon. Allez. Déçu. Déçu, confiant pour l'équipe parce qu'elle a été bonne. Mais alors là, on méritait pas ça. Enfin, c'est n'importe quoi. Allez, faut qu'on ressorte la tête de l'eau. Et putain, qu'on se batte pour la suite. Merde! Allez! On reste confiant. Je vous laisse, retournez bien à vos occupations et ciao à tous.